Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Soubonne. Nous sommes là pour de graves révélations sur les réseaux sociaux. Ou du moins, ce que les gens ont fait avec les réseaux sociaux. Vous risquez d'être étonnés parce que vous allez entendre. C'est un truc hors du commun. Écoutons le résultat de ce documentaire de A à Z. Et nous allons discuter. C'est parti. Les déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit. Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martin Ashiba. Vous vous souvenez de Frankenstein avec la créature qui échappe à son créateur et qui fait si peur? Eh bien, à la Silicon Valley, c'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian, en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Autre exemple, l'autoplay. Les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook. Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine à répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit. Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martin Ashiba. Bien. Là, ça répond, ça recommence. Donc, je pense qu'on peut arrêter et en discuter maintenant. Qu'en pensez-vous, les frères et sœurs? Qu'en pensez-vous? Voici le résultat de leur richesse. Même Tim Cook, cofondateur de Apple, c'est la marque qui fabrique les iPhones, il dit que lui ne permet pas à son neveu d'aller sur les réseaux sociaux. Hein? Seigneur Jésus, est-ce que vous vous en rendez compte? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont découvert que y a une réelle addiction là-bas et un changement de comportement qui accompagne les utilisateurs qui les utilisent, tout simplement. Sérieux? Hein? Les likes, les vidéos qui défilent sans savoir ce qui nous attend en bas et plein de choses. Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué quand j'entends surtout que certains créateurs de technologie, même des réseaux sociaux, refusent à leurs propres enfants de les utiliser. Ça c'est étonnant, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est comme vous créez une voiture et vous vendez même cette voiture.
Et vous dites à vos enfants, écoutez les enfants, n'achetez pas ma voiture, n'utilisez pas ma voiture parce qu'elle est mauvaise. Ou bien vous ne les dites rien. Mais vous leur dites juste un conseil d'un père à ses enfants. N'utilisez pas ma voiture. Hein? Même si c'est vous, qu'allez-vous penser de ça? Même si c'est vous, qu'allez-vous penser de ça? Vraiment, les frères et sœurs, danger. Danger. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce que les gens souhaitent faire avec les réseaux sociaux, avec le WhatsApp, avec les groupes Facebook, avec les inbox. Je vous ai raconté comment une jeune fille, elle a reçu une proposition bizarre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux est venu lui dire, et une femme, elle est venue lui dire, écoute, si tu veux avoir 300 000 francs tout de suite, contacte-moi, je vais te mettre en contact avec un homme et tu vas lui donner ton corps. Si tu lui donnes ton corps et que la fille te donne de l'argent 300 000 francs, tu prends ta part, tu envoies ma part. La fille, elle a pris cet argent et elle a fui. Après l'avoir fait. Après l'avoir fait, elle a fui avec cet argent. Cette femme l'a poursuivi à gauche et à droite. C'est une guerre entre les deux. Alors que les deux ne se connaissaient pas avant. Juste à partir des réseaux sociaux. C'est parti. N'importe quel business se passe sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. En fait, tu crains n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est maintenant, ça a arrêté un peu. Sinon, avant, quand les gens voulaient tuer les gens, ils tuaient les gens en diffusant cela sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont changé le comportement des gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir n'importe quel corps, n'importe quelle fesse. C'est gratuit. Tu viens, tu vois. Si tu as acheté ta connexion, c'est ça. Je me baladais récemment sur TikTok. Quand j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'un gars, il dit que lui, son propriétaire de maison arrive. Il n'a pas les moyens pour pouvoir lui donner son argent, l'argent du loyer. Donc, il pense qu'il va fuir. Maintenant, en même temps, il se souvient qu'il est allé vendre son âme quelque part. Mais lui a dit, non, ne donne pas ton âme, il faut donner ton cuir. Il dit que donc, lui, il va donner son cuir. Vous voyez ça? Et cette vidéo circule sur TikTok. Cette musique circule sur TikTok. Et tout le monde, toutes les jeunes filles sont en train de reprendre les mêmes vidéos. Vous voyez un peu sur TikTok, tu prends le son, tu poses ta vidéo sur le son, quoi. Imaginez le nombre de filles qui sont en train de utiliser ce son tout en montant les fesses hein, à la fin. Vous n'imaginez pas le nombre de fesses que j'ai vues hier. Ouais. Seigneur, viens nettoyer mes yeux. J'ai vu des choses hier. J'ai dit, mais, hein? Seigneur. Le gars, il était en train de parler de son problème sérieux. Et vous prenez ça pour blaguer jusqu'à même vous faire des vidéos dessus. Comme si vous étiez des robots et que vous ne pensez même plus. Ou bien, tout ce que vous allez voir et qui est censé marcher, vous les utilisez et puis vous faites ce que vous voulez. Par exemple, sur TikTok, on dit que quand tu prends le son de quelqu'un,
qui est célèbre et que tu fais un peu de gymnastique avec, tu as beaucoup de likes. Donc, elles sont toutes dans ça. Et un mot là derrière. Vous n'imaginez pas le nombre de derrière que j'ai vu hier. Ouais. Vous n'imaginez pas le nombre de fesses que j'ai vu hier. Les réseaux sociaux. Dès qu'un fait un truc que ça marche, tout le monde répond à la même chose. Comme des robots. Comme si c'était hypnotisé. Parfois, je me dis, mais attends. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça, c'est quelle forme de sorcellerie, ça? Dieu a fini par me donner une information. Il dit que ça, c'est la sorcellerie plus le business. La sorcellerie plus le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont fabriquer quelque chose hein, qui est censé être très mauvais. Mais ils vont embellir cela et vous les donner. Vendre cela même. Très cher même, si c'est possible. Et se faire de l'argent. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils vous vendent, c'est mauvais. Eux, ils le savent. C'est comme vous lancez un sort. Mais là, vous achetez. C'est du business. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie plus le business. Est-ce que vous voyez? La sorcellerie plus le business. C'est comme toi, tu vends des comprimés périmés aux gens. Tu sais que c'est périmé, la date de péremption est arrivée. Mais tu vends ça quand même parce que tu t'attends à ce que ça leur fasse du mal. Mais en même temps, que ça te rapporte de l'argent. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie plus le business. C'est ce qu'est devenu les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les enfants apprennent plus de choses que qu'à la maison. C'est-à-dire, ils apprennent des choses que leurs parents ne peuvent pas prendre le temps de les enseigner. Même s'ils essayaient. Ils vont se fatiguer. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses que vous ne pouvez pas croire. Après avoir vu cette affaire de fesses là hier, j'ai dit que vraiment, cette génération-là, elle est déjà gâtée. Cette génération-ci, elle est déjà pourrie. Regardez l'écran. Elle ne sait même pas que en prenant cette photo et en faisant sa main comme ça là, vous voyez ça là, c'est rendre gloire au 666. Parce que ça signifie 666 fait de la main. Quand les gens des réseaux sociaux ont vu que quand tu prends une photo et que tu fais ta main comme ça, ça marche à beaucoup de likes, sans chercher à savoir ce que signifie ce signe, eux tous ils se sont mis à faire la même chose. Le diable vous a eu, oh. Le diable vous a eu. Et tous étaient de grande gloire à Satan comme ça. Parce que ça là, ce signe là, ça représente 666 faits de la main. Il y a ce qu'on appelle la main cornue, il y a beaucoup de signes, mais ce signe, c'est un signe qui est censé représenter 666. Et quand les satanistes se réunissent quelque part dans leur loge, dans leur truc, souvent pour se glorifier, se rendre gloire, même se saluer, ils font ce signe. Maintenant, vous n'êtes pas sataniste, vous n'avez rien à voir avec le diable, mais comme vous cherchez des likes sur les réseaux sociaux, vous faites ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est comme vous êtes en train de soutenir le diable. C'est comme si vous êtes en train de lui dire, continue ce que tu fais, la mauvaise chose que tu fais pour détruire les humains. Continue. La manière dont tu tues les millions de personnes au travers des guerres dans le monde. Continue. C'est bizarre, mais c'est ça. Voici ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Hier, par exemple, pour la première fois de ma vie, j'apprenais à parler la langue japonaise ou même chinoise, je ne m'en souviens même plus, mais c'est
la langue asiatique. Les Japonais, les Chinois, ils apprenaient ça. Il y a dit, on continue de faire sur les réseaux sociaux, qui, elle, est chinoise. Bon, il ne sait pas si les Japonais, mais les Chinois, ils se ressemblent tous, au moins, il ne faut pas plus rien. Vous vous ressemblez tous, vous êtes quelque chose de personne, vous êtes quelque chose de personne même, vous tous vous ressemblez, on ne sait pas qui est qui. C'est comme si les gens des langues, la chinoise, ça dit, ça fait, on fait, Nyangchi, Yi, Nyangchi, Yu, Nyangchi. Ça dit, si Jean vous dit lundi, mardi, jeudi, et dit Nyangchi, Yi, ça veut dire Jean vous dit semaine 1, semaine, jour 1, semaine, jour 2, semaine, jour 3. C'est un truc comme ça, eux disent, je ne sais pas si c'est chinois, je vais aller vérifier après, c'est ma camarade, on se connaît. Ouais, non, j'ai commencé à prendre la parole, le japonais, mais le chinois, bon, je ne sais pas. Ah, c'est chic, j'étais content, yeah. J'étais vraiment très content, parce que j'étais déjà prêt à cette langue. Mais je me dis, mais c'est quand même très dur, hein. Comment les gens arrivent à retenir tout ça? Après, j'ai dit, bon, l'homme est habitué du mausolée, l'homme est quand même intelligent. Et on peut apprendre aussi. Vous voyez, même là où je vous parle, je suis très content. Je suis très content d'avoir commencé à apprendre le chinois, le japonais. C'est cool. Vous voyez, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quand même de, tout n'est pas mauvais. Mais il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Ça, je vous le dis. C'est comme ce monde où nous sommes là. Parce que les réseaux sociaux, c'est Internet. Internet, c'est le monde entier. Internet, là, c'est comme le monde dans lequel nous sommes, mais au niveau spirituel. Vous voyez, non? Le monde dans lequel vous sommes, là, c'est-à-dire quand tu sors, tu vois les gens, tu rencontres des gens, tu connais les gens, tes partenaires, tes collègues, tes employés, tout ça. Voilà. Le monde dans lequel nous sommes, son niveau spirituel, qui a été fabriqué par les hommes et rendu public auquel vous pouvez avoir accès, c'est ça qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle Internet d'abord. C'est Internet, on dit le net, toit d'araignée, un endroit où tout le monde veut se coller. Et on se suit seulement. On se suit seulement. C'est ça, Internet. Ça veut dire que dans la malheur de ce monde, il y a de bonnes choses. C'est comme, et de mauvaises choses. C'est comme ça que c'est heureux de se faire de bonnes choses, de mauvaises choses. Mais vous devez être très prudent sur ce que vous consultez ou que vous consommez. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça, c'est comme de la vraie vie. De la vraie vie, on vous dit quoi? On vous dit que si tu veux traverser la route, hein, alors que c'est une route fréquentée par des voitures, tu dois forcément regarder à gauche et à droite avant de traverser. Quand il n'y a pas de voiture à gauche ni à droite qui risque de te créer des problèmes, tu traverses. N'est-ce pas ça? Donc, il devrait avoir un guide d'utilisation d'Internet. Il devrait avoir un guide d'utilisation pour les réseaux sociaux parce que les gens peuvent se perdre là-bas. Trop se perdre. On te suit sur les réseaux sociaux alors que tu as posté juste une simple photo. Comment tu dois réagir? Est-ce que tu dois prendre en compte ce que les mauvais commentaires des gens ou ce que les gens disent? Non. Non. Les gens peuvent venir t'insulter. Tu postes une photo, une chose simple, qui est juste simple, joyeuse. Mais les gens peuvent venir t'insulter pour ça. Les gens peuvent venir te parler mal. Les gens qui sont trop forts dans ça, dans parler mal aux gens, eux, leur bouche, là, ça sent tellement mauvais. Hein. Ça sent tellement mauvais que eux, c'est que du n'importe quoi qui sort de là-bas. Ils sont là comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu dois te comporter? Dois-tu prendre en considération toutes ces choses? Tu dois avoir un guide d'utilisation. Mais le guide d'utilisation que je te donne, c'est le Saint-Esprit. Prie, dis Seigneur Jésus, dis Éternel mon Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit et donne-moi ton intelligence. Afin que je sache distinguer le bien du mal. Si Dieu t'a donné ça, vraiment, tu vas sortir dans beaucoup de choses. Ça te permet de savoir ce qui se passe.
et que Dieu te donne son esprit de discernement. Et le pire de ça, c'est qu'encore, sur les réseaux sociaux, il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont vraiment terribles. Eux, ils voient une fille sur les réseaux sociaux, ils causent à elle dès que, ils voient que ça commence la relation, commence à bien s'écrier, ils commencent à se déshabiller un peu, un peu. Ils leur montrent le corps, ils leur montrent le sexe, ils leur montrent tout. Et puis, ça se balance la nuit. Où est-ce que ça passe sur les réseaux sociaux, hein? Ça se ken la nuit. Au moins, la personne se rend compte. C'était un papier peint. C'était pas la personne en question. C'était une autre personne. Voit un démon. Le démon dit, oh, mon ami, je t'ai eu. Tu as cru que tu étais une femme, non? Mais c'est un garçon. Hein? Il est d'appain. Il est d'appain en même temps. Tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses à dire sur la chose. Hein. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Réagissez en commentaire et dites aux gens, dites à nos frères et soeurs ici, ce qui se passe, que vous avez vu, que je n'ai pas pu citer. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour en parler encore. C'est à vous de jouer. C'est parti.